Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo rétrospective de l'année avec un peu des photos, des séances d'hypothérapie et j'ai eu droit à un reportage radio d'un jeune journaliste. Je voulais vous le partager. Bonne vidéo. En guise d'accueil, des cris d'enfants en sortie scolaire. Ils s'émerveillent devant les animaux de la ferme et surtout devant les chevaux. Bienvenue à la ferme équestre de Louvain-la-Neuve. Là-bas, c'est Sylvie, l'hypothérapeute en chef. Et qu'est-ce que c'est que cette thérapie d'ailleurs ? Ben, c'est de la médiation animale, donc c'est vraiment utiliser le cheval comme étant un médiateur. Donc il nous permet de mettre les personnes en situation d'expérimentation, donc à se mettre vraiment dans l'expérience pour pouvoir explorer des choses, vivre des choses, donc des émotions, vivre des situations qui va les aider à mobiliser des ressources. Aujourd'hui, c'est Martin qui va avoir la première séance d'hypothérapie. Ce jeune homme de 24 ans a un handicap moteur et se déplace donc en chaise roulante. Chez lui, l'hypothérapie semble déjà faire son effet. Moi, ça m'a permis de développer aussi de la confiance en moi et aussi avoir confiance en ce que je fais, quoi. Chez les scientifiques, certaines choses restent encore à prouver quant à cette pratique. Mais du côté des patients à la ferme équestre de Louvain-la-Neuve, tout le monde semble être satisfait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi, à bientôt pour une prochaine vidéo.